Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au Salon Ésotérique. Je suis avec un homme qui s'appelle Mathieu. Puis Mathieu, il me dit qu'il y a des douleurs à son épaule. Puis plus spécifiquement, tu me dis que c'est comme ça a commencé cet été. Tu sais pas exactement c'est quoi? Non, c'est ça. Je sais pas exactement c'est quoi, mais ça fait vraiment mal. C'est une douleur qui est constante, qui n'est pas toujours au même niveau, mais qui est là tout le temps. OK. Fait avant de partir la vidéo, j'ai fait tester Mathieu, puis il m'a dit que c'était à peu près 4 sur 10 comme douleur. Des fois, c'est pire, mais aujourd'hui, c'est à peu près 4 sur 10 quand il bouge. Puis il y a aussi un problème avec son dos là, qu'on prévoit après. Je ne me souviens pas du nom, mais son dos est comme arqué, puis ça fait mal, ça aussi. Ça, c'est de naissance? J'imagine que oui. Okay. Ça, là. Fait que Mathieu, j'ai juste dit qu'on prierait pour lui dans le nom de Jésus, c'est tout ce qu'il sait, puis après, il va tester. Fait que je mets ma main ici. Ça, c'est depuis cet été que c'est comme ça. Okay. Fait que dans le nom de Jésus, je commande à l'épaule de Mathieu d'être complètement restaurée maintenant. Je commande à toute muscle, tendon, ligament et nerf qui ont été endommagés d'être guéri au nom de Jésus. Je vais juste attendre quelques secondes. Parfait. Là, Mathieu, je veux que tu bouges, sois vraiment, vraiment honnête, tu me dises qu'est-ce qu'il y en a. Non. C'est pareil, mais le feeling est fort. Ben, c'est détendu en maudit. Détendu. Mais pas peur, c'est sûr que si ça fait longtemps que tu as ça, des fois dans ta tête, c'est dur à assimiler, mais est-ce que tu trouves la moindre douleur, raideur, inconfort? Non, parce que quand je fais ça, d'habitude, c'est très mal. Donc, je ne l'ai pas. 0-0. C'est normal, moi je suis habitué, mais je veux juste être sûr que. Tu saches que je ne joue pas dans ta tête et que je n'essaie pas de te convaincre que tu as plus mal. Tu n'es pas en train de m'hypnotiser. Non, c'est ça, je ne te regarde même pas dans les yeux. Fait que c'est bon? Oui, c'est bon. All right. Puis après, je ne sais pas si tu veux juste te tourner un petit peu. Mathieu, il y a une espèce de d'arc dans son dos. Puis ça, il pense que c'est de naissance, puis tu as dit que ça s'appelle comment? Ça s'appelle une syphose. Une syphose, OK. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais de toute évidence, c'est pas normal, ça accroche son dos. Puis ça, ça te donne de la douleur aussi. Ouais. En ce moment, aujourd'hui, sur 10? Je peux pas te le dire, ça fait trop longtemps que j'ai ça dans mon dos. OK. Est-ce qu'il faut que tu pèses dessus pour que ça fait mal, ou juste en bougeant tes épaules, tu le sens d'habitude? En bougeant mes épaules, je sais. C'est des deux côtés? Oui. Okay. Fait que je vais juste mettre ma main ici, même principe. Fait que dans le nom de Jésus, je commande à toute trace de syphose, tout esprit de maladie sur Mathieu, je te commande de remonter puis de sortir. Tu lâches la vie de Mathieu aujourd'hui. Tout ce qui s'attaque à sa colonne, à sa posture, au nom de Jésus, toute trace de douleur, lâche Mathieu aujourd'hui. Même chose, je vais juste attendre quelques secondes, Mathieu. Okay. Là, je veux que tu sois vraiment honnête encore une fois. Dis-moi si tu vois une différence, si c'est difficile à dire. Je peux pas te dire, mais je sens que j'ai moins de difficultés à me redresser, peut-être. Moins de difficultés à te redresser? Ben, je suis droit, là. Okay. Tu sens-tu encore une raideur ou un élancement? Non, je ne suis pas raide. Amen! All right. Je fais quelque part ici. Merci Jésus. C'est quelque chose d'autre qu'on peut faire pour toi? Non. Fais de la magie avec ça. Merci beaucoup, Jonathan. Merci Jésus. Merci. Ça fait plaisir. Bon, il a juste changé ma vie, puis on redonne. Ah, cool. S'il peut faire ça, l'idée derrière ça, Mathieu, là, moi, on ne vend absolument rien, tout est gratuit.